Muchas gracias. Buen viernes. Un gran placer estar nuevamente con ustedes en este coloquio, por suerte presencial. Y algunos me conocen como el señor Ogde o el señor OCD. Otro día les voy a contar cuál prefiero yo, pero yo en general digo OCD. Y quiero presentarles hoy a una persona con la cual hemos trabajado muchísimo. También el acceso de Argentina a la OCDE. Jack Attali, que nos va a hablar de los desafíos globales y el rol de la economía positiva en estos desafíos globales. Los invito a tomar los servicios de traducción porque recién con Tyler estamos conversando en inglés. Vamos a pasar de América a Europa, vamos a pasar del inglés al francés. Yo también voy a pasar al idioma de Molière para introducir a Jacques Attali, que es uno de los 100 pensadores globales según la revista americana Foreign Policy. Bonjour Jacques, bonjour depuis Buenos Aires, bonsoir à Paris. On est très content de vous avoir ici, d'avoir votre temps pour parler des défis globaux. Pour parler de l'économie de la vie, de la société positive, mais laissez-moi vous présenter rapidement en français, parce que l'Argentine, c'est aussi un pays qui appartient au monde francophone, et on va échanger devant ce public en français. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement bien, Marcelo. Je suis très heureux d'être de retour à Buenos Aires. Merci, Jacques. On était avec Jacques lors du dernier G20, où l'Argentine était présidente. En 2018, il a accompagné la comitive du président Emmanuel Macron justement pour parler de l'importance de l'économie positive au niveau global. Et Jacques, il est, comme je disais tout à l'heure, un des penseurs globaux. Il a été le fondateur et le premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. En 2008, il a dirigé la commission pour le retour à la croissance de la France avec un rapporteur de luxe, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il préside l'organisation internationale Positive Planet et le groupe Attali Associés. Il a publié plus de 80 ouvrages, essais, biographies, romans. Il est aussi chef d'orchestre. Jacques, première question, selon votre analyse, quels sont les défis principaux de notre planète à l'horizon 2030 et de quelle manière l'économie de la vie et une société positive sont aussi une réponse appropriée à ces défis globaux? Les défis globaux, on les connaît tous très bien, c'est assez banal de les dire. Il y a d'abord bien sûr le défi de l'environnement et plus particulièrement celui du climat. Il y a celui de l'injustice et de l'inégalité dans nos sociétés qui est criant et qui peut poser d'immenses problèmes. Il y aura certainement à la suite de l'un et de l'autre d'immenses problèmes de migration. Il y a les problèmes d'accès à l'éducation qui va être absolument crucial dans les décennies à venir. Il y a aussi des risques militaires qu'il ne faut pas exclure, car les tensions reviennent, en particulier entre la Chine et les États-Unis. Il y a un risque d'inflation mondiale. Il y a tous les risques liés au désordre et à l'absence d'une organisation crédible. Le G20, où j'ai eu en effet le plaisir d'être à Buenos Aires, n'étant pas une organisation très efficace, mais simplement un club où les gens se rencontrent sans rien décider de sérieux. Qu'est-ce qu'une société positive? C'est un état d'esprit dans lequel chacun ne pense ses décisions qu'en fonction de l'intérêt des générations futures. Chacun d'entre nous, nous avons pour beaucoup d'entre vous, et comme moi, vous avez des enfants. Imaginez en quelle année vos enfants auront l'âge que vous avez aujourd'hui. Et vous penserez à ce moment-là que c'est votre raison d'être, votre intérêt, que de faire en sorte que, à cette année-là, vos enfants aient une vie heureuse. Ce qui veut dire qu'il ne faut prendre aucune décision qui ne soit dans l'intérêt des générations futures. Et c'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. Nous avons intérêt au bonheur de nos enfants.
Si on prend ces décisions, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles, sociales, éducatives, en fonction de l'intérêt des générations futures, on change tout. C'est ça une société positive. Plus une société est consciente de l'importance de prendre des décisions en fonction de l'intérêt des générations futures, plus elle réussit. C'est vrai pour un pays, c'est vrai pour une ville, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour une famille. Et on peut mesurer d'ailleurs cette positivité. Qu'est-ce que c'est qu'une économie de la vie? C'est justement tous les secteurs économiques qui sont nécessaires au développement de la société positive. Parmi les grands défis à venir, je n'ai pas cité celui de la pandémie, mais il y aura d'autres pandémies que celle-là, qui n'est d'ailleurs pas terminée, justement parce que plus de la moitié du monde n'est pas encore vaccinée. Et certains qui sont vaccinés le sont avec des vaccins à l'efficacité douteuse. Donc, nous avons intérêt à ce que tout le monde soit vacciné. Et cette pandémie nous a appris qu'il y a certains secteurs qui manquent cruellement de développement. La santé, l'éducation, le digital, l'énergie propre, l'eau propre. Ces secteurs, dont je fais rapidement ici la liste, représentent en gros, dans la plupart des pays du monde, 40% du PIB. Alors que les autres secteurs qui sont nuisibles à l'environnement et à la santé, comme tout ce qui tourne autour des énergies fossiles, du sucre artificiel et d'un certain nombre d'autres secteurs, d'une partie de l'agriculture, sont très dangereux et doivent être modifiés. Ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer, ça veut dire qu'il faut faire évoluer l'économie vers l'économie de la vie. J'ai publié d'ailleurs récemment un livre sur ce sujet pour montrer comment on peut transformer tous les secteurs de notre économie, que ce soit les secteurs de la mobilité, les secteurs du tourisme, les secteurs de l'alimentation, vers l'économie de la vie. Et si on se donne cette perspective-là, alors on a une perspective bien meilleure pour la société positive. Tout en sachant qu'une société positive, ce n'est pas seulement une économie de la vie, c'est aussi créer des conditions pour que chacun puisse avoir le meilleur usage du temps hors de la consommation et de la production. Pour s'occuper de lui-même, pour s'occuper de ses enfants, pour se cultiver, pour faire de la musique, de l'art, etc. Car une grande partie de nos activités doit rester non marchande pour qu'on évite d'artificialiser la nature au-delà du nécessaire. Donc l'économie de la vie est au service d'une société positive qui elle-même est au service d'une humanité altruiste. C'est la condition pour régler les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Jacques, vous parlez du temps, de ces trésors. Je pense que c'est vraiment notre trésor le plus précieux. Et en parlant de temps, l'Argentine et l'Amérique latine souffrent depuis des décennies de ce que j'appelle la trappe du sous-développement. Pauvreté, inégalité, des systèmes de santé et d'éducation qui se dégradent. Et en même temps, en Amérique latine, en Argentine, nous avons des ressources naturelles, nous avons une grande capacité à nourrir la planète et aussi des multiples sources d'énergie, sans oublier les talents liés à l'économie de la connaissance. Comme exemple, je voudrais citer que l'Argentine, avant la pandémie, avait compté 5 licornes. Aujourd'hui, il y en a 11, 6 licornes qui ont été créées pendant la pandémie. En France, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, les chefs d'État, comme Emmanuel Macron, vous convoquent pour mettre en place des actions. Comment mettre en action l'économie de la vie et une société positive dans un pays d'Amérique latine comme l'Argentine? Il faut d'abord essayer d'avoir une vision longue. Si j'avais à donner un conseil, je dirais qu'il faut d'abord penser... Qu'est-ce que c'est que l'Argentine de 2030-2035? Et mobiliser toute la société autour d'une réflexion sur c'est quoi l'Argentine 2035. C'est une façon de commencer à penser d'une société positive, puisque 2035, c'est plus loin que l'année prochaine, ou même plus loin que les prochaines élections législatives, ou même plus loin que les prochaines élections présidentielles. Définir un projet pour l'Argentine 2030 ou 2035, en voir quels sont, comme vous l'avez dit, les atouts énormes dont dispose l'Argentine, quelles sont les menaces, et partir de ce que peut être l'Argentine, ce qu'on souhaite que l'Argentine soit en 2035, pour en déduire tout ce qu'il faut faire pour y parvenir. Ça suppose un projet global qui va vers
la prise en compte du long terme, la réorientation de l'économie vers les secteurs de l'économie de la vie, l'action de tous en matière d'éducation, de santé, d'organisation politique, d'organisation administrative, d'éducation, qui reste la clé de tout, pour que le projet Argentine 2030 puisse se réaliser. Vous parlez du long terme, vous parlez de la construction d'une vision commune. Dans ces colloques, vous avez en face tous les décideurs économiques qui produisent le PIB de l'Argentine. Juste après votre intervention, on aura le président de la République, ainsi que le candidat à la prochaine élection législative dans quelques jours. Comment on peut appliquer le principe, ces principes que vous décrivez bien, de l'économie de la vie, d'une société positive dans les entreprises? Je pense notamment à l'indice de positivité que l'Institut de l'économie positive a mis en place pour évaluer les entreprises du CAC 40 français. On peut tout à fait le faire. On peut le faire en se posant les mêmes questions que celles que j'ai évoquées pour un pays. Et pour une entreprise, en se posant la question de c'est quoi l'entreprise en 2030, cette entreprise, d'avoir une vision 2030 pour l'entreprise. On peut y arriver très bien. Et à partir de pour y arriver, on peut aussi mesurer, et en effet, vous avez raison de dire, c'est ce que fait l'Institut de l'économie positive, mesurer en quoi l'entreprise prend en compte les questions du long terme, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'elle est durable économiquement, socialement, écologiquement et éthiquement, qui sont les principaux critères de durabilité. Quand on mesure ça, on a une idée des forces et des faiblesses, et à ce moment-là, on peut changer. C'est tout à fait possible. Beaucoup d'entreprises commencent à le faire. Ça va même être une règle, parce que bientôt, plus aucun investisseur n'investira dans une entreprise qui n'a pas une perspective positive. On le voit dans les décisions que prennent les grands fonds d'investissement publics, les décisions que vont prendre bientôt les grands fonds d'investissement privés, qui non seulement ne vont plus investir dans l'énergie fossile pour éviter d'avoir à produire des gaz à effet de serre, mais plus généralement, n'investiront bientôt que dans les secteurs de l'économie de la vie. Et une entreprise devra justifier qu'elle est dans l'économie de la vie. Jacques, vous avez ici, comme je disais tout à l'heure, tous les décideurs économiques et politiques du pays dans ces changements qui implique un changement d'ADN, parce qu'il faut, comme vous dites bien, transformer, évoluer, il faut évoluer aussi dans la tête des gens. Quel est le rôle des entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les décideurs politiques dans ces processus? Comment provoquer ces changements pour aller dans ces sens? Vous l'avez dit, ceci ne peut pas se faire sans leader. Naturellement, chacun doit être entrepreneur. Chacun d'entre nous, quelle que soit notre place dans la société, nous sommes entrepreneurs de notre propre vie, nous sommes entrepreneurs de notre famille, nous sommes entrepreneurs de ceux qui nous entourent. Mais le rôle des chefs d'entreprise, comme le rôle des dirigeants politiques, c'est d'avoir une vision longue. C'est pour ça que, pour moi, un chef d'entreprise qui n'a pas une vision 2030, ou même plus loin de son entreprise, n'a pas totalement accompli sa mission. Un chef d'État ou un chef de gouvernement qui n'a pas une vision 2030 de son pays, même s'il y a beaucoup d'échéances électorales et qu'en 2030, il ne sera sans doute pas au pouvoir, quoi qu'il arrive, il doit avoir une vision longue. Il doit être, ça c'est la première chose. La deuxième, il doit être capable d'entraîner, de créer les conditions d'associer à l'écriture de cette vision. Par exemple, on peut très bien imaginer que dans une entreprise, pour le faire, le chef d'entreprise réunisse les cadres les plus prometteurs âgés de moins de 40 ans et leur dise « Vous serez là dans 20 ans, moi je ne serai peut-être pas là dans 20 ans. C'est quoi votre vision rêvée de notre entreprise dans 20 ans? Comment vous la voyez? Qu'est-ce que vous voudriez qu'elle fasse ?» Et à partir de ce travail maïotique, de créer les conditions d'un projet commun dans lequel chacun se reconnaisse et dans lequel chacun puisse s'exprimer. On peut le faire aussi à l'échelle d'un pays. Plusieurs entreprises commencent à le faire, tant aux États-Unis qu'en Europe et en Asie. J'y suis moi-même assez souvent associé. Plusieurs entreprises japonaises et américaines viennent de reprendre explicitement le concept de l'économie de la vie comme étant leur axe de priorité majeur. Et je crois que c'est en train d'évoluer dans cette direction. Un chef d'entreprise qui n'est pas capable d'avoir un projet
de l'incarner, de mobiliser ses plus jeunes collaborateurs, les plus créatifs autour de cela, ne réussira pas. Vous parlez beaucoup d'avenir dans beaucoup de vos ouvrages et on vient de vous demander quel est le rôle des entrepreneurs et des entreprises. Comment voyez-vous que l'Argentine peut sortir et l'Amérique latine peut sortir de ces trappes au sous-développement au niveau de décideurs? Aujourd'hui, notre région ne compte que pour 3% des échanges commerciaux au niveau global, dans un monde qui est de plus en plus focalisé vers l'Asie, avec des forces faiblesses des Américains, avec une Union européenne qui parfois peine à aller plus loin. Comment vous voyez le rôle? Et je pense notamment, c'est ce que vous avez fait, j'ai rappelé tout à l'heure à la commission Attali pour le retour à la croissance, pour libérer les forces de la croissance que vous avez développées en France. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel travail qu'on doit faire au niveau des décideurs politiques du pays et de la région? Je ne peux pas me dire, répondre en 3 minutes à une question aussi vaste, mais l'Argentine a des richesses immenses, vous l'avez dit vous-même. Elle a un potentiel humain extraordinaire. D'une certaine façon, culturellement, plus qu'aucun autre pays d'Amérique latine, l'Argentine est un pays européen. Elle a donc une connivence avec l'éthique, le mode d'organisation, le développement européen extrêmement grand. Et donc, je pense que tout ce qui va être fait, que vous avez fait vous-même, Marcelo, pour associer l'Argentine à l'OCDE, pour créer les conditions d'être ressenti comme un pays où on peut faire des affaires comme ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, est essentiel. Je pense que présenter une vision de l'Argentine à long terme qui attirerait assez les investisseurs en étant crédible sur la tenue de ses promesses est essentiel. Ça suppose véritablement, en dehors des luttes politiques, de mettre beaucoup plus en avant les succès, les outils, les atouts, les moyens dont dispose le pays. Je suis très confiant dans l'avenir de l'Argentine. Naturellement, si on regarde à l'échelle du continent, il faudrait que le continent s'intègre économiquement plus qu'il ne le fait, comme nous l'avons fait en Union européenne. Et bien sûr, c'est difficile, mais nous y arrivons. On a une banque centrale, on va bientôt avoir les moyens d'une défense commune, on a énormément de choses en commun. Nous avons géré ensemble en Europe l'achat des vaccins et ça a été infiniment plus efficace que si on l'avait fait seul. Je pense que l'Amérique latine devrait le faire aussi, d'abord entre les deux grands pays d'Amérique latine, qui sont l'Argentine et le Brésil, comme nous l'avons fait nous en Europe, d'abord entre les deux grands pays qui sont deux plus grands pays, qui sont la France, l'Allemagne et bien sûr aussi l'Italie qui s'est joint très vite. Voilà, donc je pense que l'Argentine, à condition d'affirmer un projet durable, d'aller de plus en plus vite vers les règles de droit européennes que signifie très clairement l'OCDE, de faire tout ce qu'il faut, whatever it takes, pour rejoindre l'OCDE et pour être un membre plein et entier, c'est quand même une condition de base pour créer les conditions d'un développement harmonieux. Au-delà de cela, il faut être un pays qui a un projet. Il y a des pays non démocratiques qui ont des projets et qui s'y tiennent et qui attirent énormément d'investisseurs parce qu'ils sont crédibles dans leurs projets. L'Argentine a tous les moyens de le faire. Jacques, vous parlez de l'Union européenne. Vous savez que le Mercosur, où s'insère l'Argentine avec le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, peine depuis 20 ans à boucler un accord avec l'Union européenne. Cet accord est un accord qui repose d'abord sur des valeurs communes. Tout à l'heure, vous avez cité ces deux pays qui, après une guerre qui a détruit complètement l'Europe, sont mis d'accord sur les charbons, sur l'acier, ensuite sur les nucléaires pour construire étape par étape. C'est ce qu'on a aujourd'hui et c'est ce que je peux dire. On a envie de l'Europe, cette construction européenne basée sur des valeurs. De quelle manière on peut aller plus loin? De quelle manière on peut coopérer plus avec l'Europe, avec une Europe qui a parfois des tensions du fait de son élargissement, mais que nous, les Américains du Sud, nous souhaitons nous intéresser plus dans cet accord pour aller plus loin et pour construire un monde
basé sur ce que vous présentez de l'économie de la vie, une société positive. D'abord, il faut que l'Europe soit, qui va être de plus en plus exigeante en matière de respect de l'environnement, de respect de l'économie de la vie, de respect des règles des produits importés. Il faut rassurer l'Europe sur ces conditions. Ceci étant fait, je suis sûr qu'il y a d'énormes projets communs qu'on peut développer. Ce n'est pas le lieu aussi ici de détailler les conditions de l'accord, mais c'est l'intérêt de l'Europe que d'avoir un accord avec le Mercosur. C'est de l'intérêt de l'Europe. Et donc, je suis convaincu que ça arrivera. Le plus vite serait le mieux. Vous avez parlé tout à l'heure de l'OCDE. On avait travaillé ensemble dans le cadre du processus d'accès de l'Argentine à l'OCDE. L'OCDE, quand on parle de développement durable, base ses développements durables sur les développements économiques, le développement social, les développements de l'environnement et le développement des institutions. Quel est le lien entre ces quatre piliers de développement et tout ce que vous faites avec Positive Planet, l'Institut de l'économie positive et justement ces projets d'avenir pour les prochaines générations? Nous travaillons tous dans la même direction. Tout le monde veut une économie qui soit plus durable économiquement, écologiquement, socialement, éthiquement. Ces principes qui sont à la fois ceux de l'OCDE, ceux des Nations Unies avec les Millennium Development Goals et tous ceux qui ont suivi, tout le monde travaille dans la même direction. Maintenant, on voit bien les objectifs à tenir. À chaque pays de créer les conditions crédibles de les tenir. L'Argentine ne tient pas aujourd'hui ses objectifs. Il y a une extrême inégalité dans la société argentine, comme dans d'autres pays. Vous avez une très grande inégalité, vous avez beaucoup d'enfants qui sont en situation de grande misère et de famine. Famine, je ne sais pas, mais en tout cas de grande pauvreté. Ça existe aussi en France. Nous avons en France 10 millions de personnes en situation de pauvreté. Tout ce qui permettra de réduire les conditions d'inégalité sociale sans attaquer l'environnement va être clé. Je suis sûr que l'Argentine a tous les moyens de le faire. Une des clés est aussi la lutte pour une économie plus éthique, pour une bataille plus ferme encore contre les ennemis de l'état de droit. Jacques, vous êtes à Paris, ici nous sommes à Buenos Aires, mais permettez-moi de vous amener un peu plus dans le nord de la France, les Havres. Depuis 10 ans, au Havre, vous réunissez le secteur clé de l'entreprise, du gouvernement, des organisations internationales, de l'académie, de la société civile, dans le Fonds global de l'économie positive. Vous pouvez parler 2 minutes de ça? Oh, j'ai beaucoup d'actions diverses en dehors de mes livres et de mes activités de conseil et de ce que fait l'Institut. Nous avons en effet depuis 10 ans réuni au Havre beaucoup de gens du monde entier pour réfléchir justement à ce que c'est qu'une société positive. Il en est sorti énormément de conclusions actives, il en est sorti un nouveau statut de l'entreprise en France, il en est sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ces lieux de réflexion sont très importants parce qu'ils permettent de créer les conditions de la cristallisation de ce qui peut devenir un projet et de rassembler des gens autour d'une idée. Ça a été d'ailleurs aussi l'occasion pour le Havre d'apparaître sur l'échelle mondiale comme un très grand port, comme une ville clé de regard sur le long terme, puisque c'était une des premières villes qui portait ce concept de société positive. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons exporté cette idée et nous commençons à développer des forums de ce genre un peu partout à travers le monde pour évangéliser autour de l'idée d'une économie positive et d'une société positive. Vous parlez du port du Havre. Ici, nous avons le port à quelques mètres du Rio de la Plata. Il y a quelques jours, j'étais avec vous et vos équipes aussi au Havre. On a parlé sur l'importance de l'eau, des océans. Et la question est la dernière. Pensez-vous qu'on peut développer ces types de concepts, ces forums, mais en Amérique latine, à Buenos Aires, par exemple? J'en serais très ravi. J'ai moi-même publié l'année dernière un livre sur l'histoire de la mer. J'ai montré l'importance des ports. Il est clair qu'un pays qui n'a pas un grand port, qui n'attache pas d'importance à son port, est condamné à mort. Et plus encore, un pays géographiquement situé comme l'Argentine. Donc je serais très heureux, très honoré si on peut avancer vers l'idée de faire quelque chose ensemble.
Jacques Attali, merci de votre temps. Merci infiniment d'avoir consacré ces minutes à penser dans l'avenir de notre pays, l'avenir de notre région, de la manière dont on peut fonder ensemble cet avenir. Merci infiniment. À très bientôt à Paris. Bueno, estuvo con nosotros Jacques Attali. Hicimos un recorrido sobre los desafíos globales. Hicimos un recorrido sobre los desafíos que tiene nuestra región. Hicimos un desafío que tiene nuestro país. Y a veces cuando uno puede pensar en esto que yo llamo la trampa del subdesarrollo en la cual estamos inmersos de hace décadas, que es difícil salir de esa trampa, vemos que en Argentina, en América Latina, tenemos parte de la solución. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí.